Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Samedi. Oui, samedi. 30 janvier 2021. Ouais. Et nous sommes partis malgré la pluie faire un beau petit tour. Il y a de la flotte, hein, vous voyez. Il y a ce qu'il faut, hein. Faire un beau petit tour avec ma petite fille Alexandra qui va nous faire encore une recette magique ce midi. Vous verrez le film. Mais voilà, une petite marche sous la pluie ce matin pour se mettre en appétit. Et peut-être une petite marche aussi cet après-midi sous la pluie aussi pour digérer. Ouais. Regardez comme c'est beau. Ça y va les copains, hein. Alors voilà, là, une belle petite cascade aussi, là, qui vient des hauteurs boueuses, hein, mon Alexandra, hein. Ben, si tu veux te laver les pieds dans la cascade, tu peux. Voilà, voilà. Alors, nous sommes ici, aujourd'hui, avec ma petite fille Alexandra, qui tient la caméra. Coucou Alexandra. Coucou. Nous sommes sur le site du château de Montcornet, en Ardennes. Et on a fait déjà un bon petit tour ce matin, bien mouillé, n'est-ce pas? Jusqu'aux os. Ouais. Avec de la boue, plein les godasses, plein de pantalons. Alors que mademoiselle Alexandra était toute propre au départ. Ouais. Donc à mon avis, maman va encore gueuler contre grand-père. Surtout la voiture, elle va être sale. Mais non, on va laisser essuyer les pieds sur la route. Hein. Donc voilà, c'est un site où j'ai réalisé pas mal de vidéos, de l'anarchiste et tout ça. Et c'était un coin que ne connaissait pas ma petite fille. Donc le coin est magnifique. C'est vrai que c'est très boueux, très pluvieux aujourd'hui. Mais on s'en sort quand même. Tout va bien. Restons positifs. On va aller manger un bon menu, comme ouais. J'ai dit. Un bon menu. Parce que Alexandra n'est pas d'origine bretonne, mais elle va nous faire des crêpes ce midi. Donc des galettes, qui sont, en gros, pour expliquer aux gens qui ne sont pas bretons, qui sont des crêpes salées. Et ensuite, on va manger des vraies crêpes. Alors, des crêpes au sucre, au Nutella, au chocolat, à la confiture de fraises. Parce que madame voudra bien. Un petit bouchon de rhum là-dedans, de la vanille. Ça va être magnifique. Voilà. Et je vais la filmer à l'œuvre. Pour celles et ceux qui ne croient encore pas que c'est elle qui fait la tambouille. Mais uniquement pour le vieux. Hein, c'est vrai? Ouais. Ah bon? Allez, à la prochaine, on rentre avant qu'il pleuve de trop. Hein. Bah, il y a plus, il pleut déjà trop là. Il déjà pleut. Il déjà pleut. Il déjà pleut. Tu parles bien à la France, toi. Il déjà pleut. T'es quel pays? T'es roumaine ou quoi? T'es hongroise. Il déjà pleut. On me l'avait jamais fait celle-là. Redis-le-moi. Il déjà pleut. Il déjà pleut. Non. Regarde, c'est une prise électrique là. Mais je te vois rien. La chaise électrique. Quelle chaise électrique? Une prise électrique. Allez, y compris une chaise électrique. Bon alors, qu'est-ce que c'est marqué qu'il faut tenir les grands-pères en laisse? C'est ça que tu me disais? Non. Il faut tenir les animaux. Oui, les animaux doivent être tenus en laisse, donc du coup tu prends ton sanglier en laisse. Ah, c'est pas mal. Donc nous les vieux, on est en liberté quand même. Ouais. Ah la bonne heure, bah c'est un bel endroit ça. Et techniquement on est des animaux, donc du coup on doit tous être en laisse. Ah, tu parles bien toi. Techniquement on est des animaux. Et finalement tu vois, tu parles bien la France. Techniquement, oui, nous sommes tous des animaux. Surtout moi.